connais la théière des assassins. En fait, c'est une théière qui possède deux compartiments, va boucher l'un après l'autre avec le doigt, ce qui va permettre de se verser par exemple un délicieux thé pour soi-même, et en bouchant l'autre trou, on va pouvoir servir un délicieux poison aux limites qu'on déteste. Et ben ça tombe très bien, on va l'imprimer parce que j'ai trouvé le modèle sur internet. À première vue, c'est une théière pour tout ce qu'il y a de plus normal, mais une fois qu'on la découpe, on voit bien, il y a bien deux cavités qui sortent ici, avec deux trous. Donc pour le temps d'impression, on en a environ pour 15 heures, et par contre 339 grammes de filament. Et pour la couleur du filament, on a choisi celui-ci, donc c'est un filament couleur bronze, très joli ma foi. Maintenant, on va mettre à chauffer l'imprimante, voilà. Ok, important par contre, ce n'est pas un filament alimentaire, donc on va juste l'utiliser pour la vidéo, mais on s'en servira plus derrière, ça sera un objet de déco. Là, tu fais pénétrer le filament. Donc charge, bien entendu. Ça, c'est vraiment le meilleur moment, regarde. Oh, on dirait du Nutella. Hop, impression est lancée, bien sûr ce sera disponible sur le live, n'hésite pas à t'abonner pour voir la partie 2.